Aujourd'hui, nous rendons hommage à une femme à l'intelligence extraordinaire, une femme d'une grande liberté. Paulette Nardal. Elle est noire de peau et elle est née à plus de 6000 km de la France métropolitaine, dans une île magnifique qu'on appelle l'île aux fleurs, la Martinique. Ses ancêtres étaient des esclaves. Son père a eu la chance de faire ses études à Paris et il va revenir en Martinique comme ingénieur. Cet homme explique à ses 7 filles que dans la vie, il faut être curieux. Il faut découvrir, il faut se passionner pour le monde qui nous entoure. Il faut s'approprier la culture. Paulette connaît l'histoire de l'art, la danse, la musique, elle maîtrise plusieurs langues. À l'âge de 24 ans, elle rentre à la prestigieuse université parisienne de la Sorbonne. C'est la première étudiante noire de peau à la Sorbonne. Pendant ces années parisiennes, elle ouvre son appartement aux plus grands intellectuels français, parisiens, pour des débats d'idées, des conversations, et Paulette est connue dans le tout Paris. En 1939, la guerre éclate, Paulette rentre en Martinique en bateau et malheureusement son bateau va être attaqué par un sous-marin qui va le torpiller. Elle perd l'usage de ses deux jambes pendant l'accident. Elle va faire un long séjour à l'hôpital. Mais loin de l'affaiblir, cet événement va lui redonner de l'énergie et en 1945, alors que les femmes ont tout juste le droit de voter, elle crée une organisation pour inciter les femmes à s'investir dans la vie politique. 3 ans plus tard, en 1948, elle part pour les États-Unis et va travailler à l'ONU au service de la paix. Paulette Nardal meurt à l'âge de 88 ans, décorée de la Légion d'honneur. Paulette nous apprend que dans la vie, il faut s'ouvrir au monde. Il faut s'imprégner des choses. Son père lui disait « Soyez comme des éponges, appropriez-vous la culture pour pouvoir être créatif, être créative et faire quelque chose de grand de sa vie. »